Et bonjour à tous. Bon, j'avais enregistré un épisode précédemment pour faire la team poison. Sauf que j'ai pas du tout assez de niveau. Donc voilà, je reprends à partir d'ici. La seule chose que vous raterez, en gros, c'est une cinématique avec le proviseur et Cassiopée qui nous dit que voilà, on a découvert la team poison, blablabla, quoi les bases, blablabla. Et on a combattu, donc c'était pas le garde, c'était quelqu'un qui était fan du boss de cet endroit-là. Donc on a réussi à le battre. Je mettrai, normalement, vous verrez au début de cet épisode, je mettrai donc cette cinématique qui manque, mais je ne mettrai pas la team poison, enfin je le ferai au moment où je ferai la team poison, donc je mettrai la cinématique au moment où je ferai la team poison. Mais là on va faire autre chose parce que j'ai pas du tout le niveau de en tout cas mes Pokémon sont pas opti du tout pour ça, donc déjà on va aller là, peut-être choper le poisson, n'importe quoi, le Pokémon haut qui se trouve là. Est-ce que... Je sais pas sauter avec cette personne. Donc... Comment je fais pour... Voilà. Ok. Wouhou. Ok. Là, c'est bon. Hop, ok. Ok, on va tester là. Un Pokémon Terra Crystal de type eau. Je crois que c'est un Voltorb en plus. Je sais pas ce que c'est, on verra. Non, pas partir à plusieurs. Oh là là. J'ai pas envie d'attendre 300 milliards d'années. Donc on va faire un peu de chasse au trésor. Le temps que j'arrive dans les autres zones. Je crois qu'on va faire les Pokémon dominants et les autres badges. Avant la team poison, parce que je crois qu'il faudrait que je sois level 40-45. Enfin, théoriquement, si j'ai une bonne team, 30-35 devrait suffire, mais j'ai pas une bonne team, donc enfin, elle est pas opti, et je la flemme de... Oh bah ouais, c'est bien Voltorb, c'est pas fun. Et j'ai trop la flemme de... Pas de flex, des autres. Donc, je sais plus c'est quoi contre la team poison. Qu'est-ce qui est bon contre la team poison? Je sais plus. Faudrait que je revienne. Après, il y a. Quoi déjà? Ok, d'accord, on jouera un Voltorb pour Terra Crystal. Enfin bref, quoi déjà? Comment on fait fun? Ah, c'est une fille. C'est pas bien. J'ai déjà entendu vibrer, mais je sais pas où elle est. J'ai dû l'oublier dans ma chambre. Donc. Si. Je veux aussi attraper les... Waouh. Et on le trouve dans des centrales électriques. De nombreuses personnes ont reçu une décharge après l'avoir compris. Ça, on connaissait déjà, vu qu'on l'avait déjà attrapé. Je dois éternuer. C'est pas possible. Donc. Théoriquement, faudrait que j'attrape les Pokémon qui sont là. Du coup, là, c'est quoi? C'est la Badge Team Combat. Ça. Combat et. Attends, parce qu'avec tout ça, je sais plus où je suis. Là, c'est quoi?
Badge d'Arenglas. Je devrais essayer d'aller là. Du coup... Non, en fait, on va essayer d'aller là déjà parce que j'ai pas récupéré ça. on change toujours d'endroit. C'est pas ça que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Donc là, ça va être une chasse au trésor. On va un peu visiter, débloquer les nouveaux Pokémon. Et surtout, se diriger vers la suite. Combattre les dresseurs. On va Pex en fait, tout simplement. Vapex et Monsieur t'as disparu. Le bosquet tagué qui se trouve un peu plus loin est un endroit malfamé, alors fais attention à toi. J'ai eu le malheur d'y aller. Thelma l'étudiante ou Thelma l'étudiante, j'ai pas vu. Bref, Thelma. Paralysé. Oh non, il a pas pu attaquer, il va mourir à cause de ça. Je vais changer de côté. Là pour Pex, je suis pas là pour mourir. Directement lui, super. Bon, est-ce que t'arrives quand même à attaquer au moins une fois? Non, t'arrives pas à attaquer au moins une fois. Alors. Voilà, quand même. Qui veut apprendre Souplesse? Est-ce que tu veux apprendre Souplesse? Tu veux oublier Cage Éclair et apprendre Souplesse? Non. Non. Arbuste, vas-y, change. De toute façon, il est paralysé. Par contre, j'ai aucune idée de qui est Arbuste. C'est pas l'évolution de Mangouste, ça s'appelle? Je sais plus. Ah non, c'est l'évolution de l'autre. Je sais plus comment il s'appelle. Ça fait plaisir. Ouh, ça fait moins plaisir. Et les chaos. Yes. Le machin là. Bah si, c'est mon goût. J'ai confondu avec Mustéboué. Ah, ma parole, tu es redoutable. Tu aurais très bien pu te passer de mes conseils. Oh! Attends. Non, ça va, je l'ai déjà. Hop là, pardon, je suis encerclée là. Un miaouss, hein? Bon. Oui. Ah, je suis fatiguée. Okay. Ça va bien. Que je t'ai déjà, toi, t'es quoi? Ah, ouais, c'est pas le terre gelé. Toi, t'es quoi? Rondi gelé. Ok. Bref, whatever, du coup. Pierre. Bien. Je crois qu'on pourra faire évoluer Caninos en Arcanin, je pense.
pas. Alors, réglons pas trop. Ah oui, je t'ai déjà battu, alors ça veut dire. Sûrement, je te rendrai ça. Qu'est-ce que tu veux? Bien. Ok. Alors, il agrippe ses proies avec ses serres effilées et les picore. Il lui arrive de manger des baies, mais au fond, c'est un carnivore. Normal, vol. Bien. Du coup, je récupère ça. Est-ce que je peux le choper déjà? Non, pas lui. Alors pourquoi ça vise jamais ce que je veux? Il a disparu. Il est là. Voilà. On va voir si on peut le choper. Peut-être qu'il pourra m'aider contre la team poison. On va voir. Niveau 27, Ariama. Vas-y, calme une graine. On va en face. Donc, left. Il me faut. Ouais, je devrais prendre un Pokémon du type poison pour éviter que. Que le poison me tue en fait. J'irais peut-être faire le raid de type poison aussi. Vas-y, chope-le. 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 Je suis fatiguée pour en faire 50 milliards. Merci. Une fois. Une fois le jeu m'écoute, ça c'est cool. Bien. Parfait. Alors, il piétine violemment le sol pour concentrer son énergie. Il peut propulser un camion de 10 tonnes dans les airs d'un coup du plat de la main. Oui, j'ai entendu un lapin. Oui, oui, il y a mon bébé qui est là. Mon petit bébé qui est là. Non, non, rien à ses pieds. Ok, donc ça, au moins, j'aurais pas besoin de les faire évoluer. Ça, c'est cool. Maintenant, on va essayer de continuer. C'est un fer de fer, ça. J'arrive jamais à les reconnaître. Ça a l'air, hein. Ouais, ok. Attends, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a là-haut. Oui! Ouh, c'est tout. Hop là. Dracoque. Ou puissant qui blesse. J'ai pas le temps de lire. Donc il y a un dresseur là, il y a des boules là-bas. Non, c'est pas le bon du tout. Je vais viser, je me retrouve encore à attaquer. Grombi. Ouais, je l'ai déjà. Bon, vas-y. On va essayer de pectiner. Bien, parfait. Seulement ça pouvait arriver aux membres de la team poison, ça. Coucou ma lapine. Coucou ma lapine. Ça va, bébé. C'est pareil. Hop. Hop. Bah, il est où le monsieur? Perdu le monsieur. Perdu le dresseur. Ah, il est là. God. Alors, je veux me battre contre une personne qui a du cran. Est-ce que c'est ton cas? On va dire que oui.
On va juste espérer que je puisse t'assassiner en mode quelque chose. Je rigole. Oula. Je le connais pas, celui-là, je vois rien. Je le connais pas, donc on va faire. Je crois que ça doit être un petit croc. Bon, en tout cas, mon canon graine lui a défoncé sa tronche. Ok. Il doit être faible contre le type plante. Pyroli. Ouh, on va changer de Pokémon. On va prendre Azumarill parce que le feu c'est le mal. Et c'est mon Pokémon, c'est mon Evoli préféré. Après Evoli, Pyroli. Mais j'aime surtout Evoli. J'ai hâte de voir les nouvelles. Ah, Amasal. Ok, d'accord. Moi j'avais vu Amas, donc je comprenais pas. Un petit pistolet à rue. On va faire hydrocure. Ouais, on va faire hydrocure après. Bulldo c'est pas mal parce que ça fait plusieurs dégâts. J'aime pas plaquage. C'est mal plaquage. Voilà. Ça c'est fait. Ariyama. C'est notre combat. Qu'est-ce que je peux utiliser contre un Pokémon de combat? Je sais pas. Ah, tiens, vas-y. C'est full life. Bon. Pas très efficace, efficace. Efficace, on peut dire que c'est très efficace aussi, hein, parce que j'ai quand même pris la moitié de sa vie avec un drame. Voilà. Super efficace. Alors, tu étais si déterminé que tu m'as exterminé. Ouais. C'était le but. Le coin évolue. Vas-y. Trop mignonne. Félicitations. Le coin évolue en Miascarade. Miascarade. J'aime bien. Il détourne habilement l'attention de ses ennemis et disperse subrepticement des bombes florales bourrées de pollen qu'il fait ensuite exploser. Plante ténèbres. J'aime. Bien. Pokémon va apprendre magie florale. Voulez-vous qu'il oublie déjà, voyons voir ce que c'est. C'est quoi? Le lanceur attaque en jetant un bouquet de fleurs piégé sur la cible, n'échoue jamais, et inflige toujours un coup critique. Vas-y, à la place de feuilles magiques. Non, tu veux le remplacer par quoi, toi? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Oublier feuilles magiques et mettre... vas-y, dessus. Parce que canon graine est trop bien. Mais feuille magique, je l'utilise plus depuis. Mais magie florale, ça a l'air pété quand même. Ok, bien. Tant mieux. Du coup, par là. On va prendre voilà. Alors, on va essayer. Faudrait trouver un persian. Comme ça, on n'a pas besoin d'évoluer. Mius. Électrode aussi, ça serait bien quand on est dessus. Fantominus, est-ce que je t'ai déjà? Oui, je t'ai déjà. Il y a un truc là-bas. Bref, allons d'abord débloquer le centre Pokémon de la ville. Pardon. Quel endroit inhospitalier. Il n'est pas étonnant de croiser des Pokémon coriaces dans un endroit aussi inhospitalier. Zacharia, l'étudiant de ce. Faudrait aussi que je parle au PNJ pendant les chasses au trésor durant les villes pour voir s'il n'y a pas des échanges à faire. Vas-y, on va tester. Je connais pas Ekaï. Ah si, c'est Ekaï. Ok. Je connais pas. Vas-y. Fais magie florale. Ça échoue jamais. Trop classe. J'adore. Ah, j'adore ce Pokémon. Je suis bien content de mon Pokémon.
Alors, Zagariel étudiant envoie Quillfish. Non, non. Quillfish, ça doit être un Pokémon ou aussi. Donc, il va se faire dead. On va pas l'utiliser trop souvent non plus. Mais badass Magikloral quand même. Je kiffe. J'aimerais bien avoir une autre attaque ténèbre assez puissante à la place de morsure, mais pour l'instant, ça va. Je vais rester comme ça. Les dresseurs du coin sont tout aussi coriaces à ce que je vois. Eh oui. Du coup. Je vois un Pokémon que j'ai pas. Donc, prends le truc et va chercher le Pokémon que j'ai pas. C'est tout. Pas encore ce truc. J'ai pas envie de dire Ténéfix parce que c'est comme si c'était la pré-évolution de Ténéfix. Polichombre. Je connais absolument pas. Vas-y, calme-moi, frère. Ombre portée. Ce n'est pas très efficace. Bah ouais, on est à finir de ténèbres. Je l'ai tué. Oh, quelle horreur. C'était pas le but. Oh là là, je déteste. Oh, il y a des jaunes. Vas-y, je veux toutes les couleurs, je m'en fous. Je m'en fous, je veux toutes les couleurs. Tapatoès de couleur jaune. Je t'ai pas, donc avec un peu de chance, tu survivras. Parfait. Donc on a bleu, on a vert, et maintenant on va avoir jaune. Bien. Ah non, mais dès que c'est une couleur différente, je prends. Hein. Vas-y, il va commencer à me couler celui-là. Va bien gentiment rentrer dans la Pokéball, sinon tu vas mourir en fait. T'as pas compris. Voilà, bien, parfait, super. Tu vois quand tu veux. Les menaces, ça fonctionne toujours apparemment. Bien, donc on a la version jaune. Les tapoès de couleur jaune sont extrêmement agressifs. Ils vont même jusqu'à chasser les autres oiseaux des jusqu'à chasser les autres Pokémon oiseaux des villes. Plumage jaune. Non, ça va. Par contre, il y a combien de plumages différents pour les papatoès là? Les papatoès. Bref, allons soigner nos Pokémon. Oui. Oh, je suis deck pour le Polichou. Ah, il y en a un autre là-dedans. Attends. Je vais d'abord sauvegarder. Après, on va voir ce que l'autre là a donné. Déjà 23 minutes. Je me partie trop. À bientôt. Bien. Je t'ai vu. Je t'ai vu, Polichon. Reviens. Oh non, il est parti. Oh. Oh. Oh, il y a un truc là-bas. Oh. Oh, quelle tristesse. Oh, quelle déception. Oh, je suis triste. Oh, une hyperbole. Trop classe. Bon, ben, tant pis. Oh. C'est quoi ça? Ah non, c'est un autre centre. Aïe! J'avais pas vu. Ok. Ah non, ça se fait. Donc. Rouille de charibari. Ah, il est là. Vas-y. Hop là. Ah. Attends, je rêve ou... Ouais, il me semble bien. Il y a un Voltop qui a décidé de s'exploser tout seul. What the fuck. Aucun effet, super efficace. Efficace, on va faire des trucs efficaces. Parce que déjà avec efficace, il va mourir. Mais avec super efficace, il va encore plus mourir. Top. Non, pas possible. Je vais devoir prendre un autre Pokémon. Contre lui, je vais devoir prendre, je sais pas, on va prendre Gambex. C'est le plus faible.
Fais quoi, écho? Écho, écho, écho. Voyez voir, un cri retentissant blesse la cible. Si le lanceur ou d'autres Pokémon utilisent cette capacité à chaque tour, la puissance augmente. Une attaque qui réduit les PV de la cible au niveau des PV du lanceur. Ça peut être intéressant, sauf que je l'utilise jamais. Mais Echo, ça a l'air pas mal. Au fur et à mesure qu'on attaque avec, ça augmente. Bon, il n'y a pas un autre polichon. J'aimerais bien tester avec un autre Pokémon. Pardon, excusez-moi, je passe. Non. Attends, tu t'es pas toi. Mais oui, c'est le. Mais oui. Mais oui, je t'ai pas toi. Celle qui se transforme en. Voilà ce que là. Par contre. J'espère. Ah bah non. Bon. Je suis deg. Bon, c'est bien, ça me fait pex, mais dans un sens. Je peux plus attraper de Pokémon, c'est pas cool quoi. Va falloir des faibles balls bientôt. Bref, tant pis. Allons dans la ville. Ah! Attends. Attends la revanche. Non, reviens! Pokémon, je t'ai vu! Oh, il a disparu. Oh, je suis deg. C'est barré. Oh. Il m'a vu venir, il s'est dit non! Belle! Alors, on va changer. On va prendre toi. Parce que j'ai pas envie que tu restes en fait. J'ai pas envie que tu meurs, j'ai envie de t'attraper. Hypnose. Ah, oh, ça va me faire dormir. Pas efficace. Pas très efficace. Un petit double pied s'il se réveille. Il se réveille. Et un jour il se réveille. D'ailleurs, il me fait envie de dormir aussi là pour le coup. J'ai pas envie d'utiliser un objet en fait. Il veut pas te réveiller tout seul? Ah, quand même. Ah ouais, pas très efficace, c'est vraiment pas très efficace. Ok. Bon, on a le temps. Ouais, par contre, ça c'est agaçant. Par contre, là, on a le temps, mais on n'a pas autant le temps. Bon. Sinon, vous, ça va? Vous dormez bien, vous passez bien la journée? Comment vont les études, le boulot? De la vie va bien. Ça va être long. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour attraper les Pokémon? J'ai des faibles balls par hasard. Je peux peut-être tester avec faibles balls. J'aimerais bien. Je sais pas si j'en ai assez. Avec un faible ball. Ça c'est hyper ball. Omega ball, Shine ball, Shine ball, Rapid ball, Pokéball, Super ball. Non, j'ai pas de faible ball. Oula. Faudrait essayer de choper des faibles balls. Rapid ball c'est bien si tu le lances directement. Le problème c'est que si tu l'utilises une fois, enfin si t'en as qu'une, tu l'utilises qu'une fois. Et encore un peu. Donc, si on a des Pokémon Psy en face, il faut prendre Gambax parce qu'il est. Il est immunisé contre le type Psy. Donc, ça, c'est pas mal. J'ai oublié quel type il était. À part Insecte, je veux dire. Vas-y, Pokéball.
Génial. Vas-y, continuons. Quelle horreur. Qu'est-ce que ça va être là? Ah, ces sculptes là, voilà à quoi ça me fait penser, les sculptes là de Zelda. Sculptes là de Zelda. Sculptes là. Oui, je raconte des bêtises, je sais, mais je m'ennuie. Je m'ennuie à essayer d'attraper ce Pokémon. S'il te plaît, reste là sinon tu meurs. Ça marche toujours. Il va falloir que je le dise directement en fait, pour savoir si ça fonctionne vraiment. Peut-être qu'ils m'entendent. Oh, je traverse la quatrième dimension. C'est trop bien. Bref. Quand mec va prendre hâte. Je voudrais le prendre à la place de quoi? Oublier ruse et apprendre hâte à la place. Oh, vas-y, je l'utilise pas de toute façon. Ok, bien. Ah, j'ai oublié de regarder quel type d'étape. Ses antennes en forme de ruban contrôlent ses pouvoirs psychiques. Il faut éviter de les toucher, sinon ils pleurent de façon incontrôlable. Ok. Ah, j'ai pas attrapé de cornèbre. Comment ça, j'ai pas attrapé de cornèbre? Si j'avais su, il y avait un banc de cornèbre là. Tiens. La fille, elle abandonne pas. Elle veut son polichinelle. Alors, premièrement, on change. On va prendre comme aucun effet, pas très efficace. On va utiliser Furibond avec un peu de chance. Un peu de chance. On devrait pouvoir le choper. Un peu de chance. Ah, sauf si je meurs. Il s'est infligé ça lui-même. Vas-y, plante. Plante. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Yay! On l'a après 3 essais, 3 OS. Pardon, 2 OS. On a enfin le troisième là. Bien! C'est bon, on va pouvoir continuer. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Il développe sa force en absorbant la rancune, la tristesse et les autres sentiments négatifs des êtres humains. Pokémon poupée. Spectre. Ok, bien. Chambre, c'est fait. Donc, on va pouvoir visiter la ville. Pinchoria. Ok. Des trucs à bouffer. Bibi. Ça me fume, hein, sérieusement. Bien. C'est ouf, Ah, un échange, ça intéresse quelqu'un. Bien le bonjour, je suis une collectionneuse passionnée par les tefrois et les antiquités. J'en ai d'ailleurs une qui a un passé sombre. Je te la cède contre 10 fragments de tefrois. Ça t'intéresse, oui. Fort dommage, on dirait que tu n'as pas assez de fragments de tefrois. Cependant, tu devrais pouvoir en récupérer en combattant des tefrois. Ok, des tefrois, c'est pour les. Faudra chercher les tefrois. Bien, bien, bien. J'ai besoin d'une chose. Ah, un Pokémon. Je veux jouer avec des Pokémon. Je vois rien. Je vois rien. Ah. De toutes les couleurs possibles. Alors bleu, vert et jaune. Ok. Dier, 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 dier. Bien. Je suis où? Je suis où? Je vais où? Attends. Je veux choper lui. On va voir si j'arrive à le choper. Est-ce que par hasard? Par hasard? Oui. Ok.
trop bien le bon. Franchement, je suis trop contente. Non, là c'est un peu trop. Ouais, il faut bien rêver hein, de temps en temps. Oui. Ok. Tunnel. Pas qui. Ok, c'est le petit. C'est dur ça. Je l'ai pas. Hein. Efficace, 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 efficace. Plus ou moins sûr. Le tue pas. Bien. Et level 35, c'est bien. Par contre, il va falloir que je chope. Le prochain badge parce que. Pas sûr qu'il m'écoute pas. Aïe. On va essayer de choper son. Son père. Sa mère. Ok, quand il est anxieux, il lèche ses pattes qui sont constamment couvertes de miel et retrouve le sourire. Ah. Ah bah. On va essayer de le choper en même temps. Ouais, les chasses au trésor, je vais quand même essayer de faire en sorte que ce soit un peu plus long que les badges et tout ça. Ouah. Ok. Bon, changeons de team. Ah, mais c'est le seul qui... Je vais le soigner. Attendez, je reviens. Ok, vas-y. Oh, il y a un loup-garoc derrière. De type knocker, il me semble. Ouah, j'ai froid. Mon dieu. Ok, câlinerie, c'est pas cool. Câlinerie, c'est le mal. Bon. On va essayer. Je crains le pire. Qu'il évolue le bon film. Attends, j'ai vu zéro dégâts, bon, il est mort. Ah non, c'est camaraderie, c'est pas. C'est pas câlinerie, ça va, on a le temps. Okay. J'ai peur quand même. Hein. Vas-y, gros feu. Bien. Vas-y, chope-le. Il est brûlé, il a la trouille. Balance la Pokéball. Yes. Ah, ça m'énerve quand ils sont comme ça. Tranche. Oh god. Ça fait mal. On va changer. On va utiliser. Vas-y. Oh, la machine qui me fait bourdonner les oreilles. Pas cool, pas cool. Allez. Ah. Aïe. Oh, rip. Oh, des trucs derrière. Des trucs verts et...
Oh là là, attends, si j'envoie Pomote et que je fais un cage éclair, est-ce que j'ai plus de chances de le récupérer? Mmh. Mais cela échoue. Ah bravo, super. Ah bah, Pomote. Voilà, ça c'est fait. Bon, au moment où il me restera un Pokémon, je fuirai. On va retenter encore une fois de balancer une Pokéball. Boombex, vas-y. Vas-y, Boombex. On va sûrement mourir bientôt, mais... Juste laisse-moi le temps de balancer une Pokéball. Vas-y, balance. Please. C'est ça ou tu meurs. Teste, hein. Non. il a compris que je pouvais pas le tuer. Bon, ok. Tant pis. Oh, il y a un truc derrière. Il y a plein de trucs en fait, il y a plein de Pokémon que je connais pas. Bon, de toute façon, c'est soit on le récupère maintenant, soit il meurt de sa brûlure. Donc il y a un moment. Il y a un moment donné, il va falloir qu'il rentre dans la Pokéball quand même. Non, il veut mourir, je crois. Ouais. Ouais, ouais. Oh, apparemment, d'après Windows, il neige. Trop bien. Bah voilà, je l'avais prévu. Hein. Tant pis. Bon, ben. On va juste. Waouh! Éviter de se faire avoir par tous ces machins là. Et on va aller se soigner. Ensuite, on va continuer à récupérer les Pokémon de la zone. Blablabla. Dommage qu'on n'a pas su pack les autres Pokémon, mais bon. Surtout dommage qu'on n'ait pas su l'attraper avant qu'il crève comme un idiot. Mais bon. C'est le jeu. Alors, voyons voir. Oh, ils sont partis. Alors, voyons. On a un Magneti. On a un renard là. Non, c'est un Bambi. C'est un Bambi d'hiver. Ah bah tiens, il neige dans mon jeu. On est synchro avec. Alors. Pas très efficace, vas-y. Je m'en fous, je veux toutes les couleurs. Il manquera plus que celui-là d'automne, si je me souviens bien. J'ai pas encore croisé celui-là d'automne. On va prendre le... Je crois que c'était les filles derrière. Ah, mais je confonds tout le temps. Ok. Lui, il est intelligent. Lui, il est venu directement. Et bien. Bien. Alors, il s'amuse à donner des coups de tête aux gens qu'il apprécie. Puisque ses fleurs cachent des bois, ses coups sont assez douloureux. Formidable. Il ne manquera plus que Pokémon automne. Alors c'est quoi? T'as un Ténéfix? T'as un Ténébris? T'as un... Comment tu t'appelles encore toi? Ah, Farfuret. Ok, rien à voir. Un Farfuret. Ok. Si je le lance encore une fois, il meurt. Est-ce que morsure ça passe? Est-ce que morsure ça passe? Ça passe. Je rêve ou mon Pokémon... Ah non, non, j'ai dû rêver. Et d'un coup, il était plus clair que d'habitude, c'était bizarre. Bien. Il a l'air plus clair que d'habitude, c'est bizarre. Bref. Pour Pokémon griffe acérée. Ces Pokémon rusés agissent parfois à deux pour voler des œufs. L'un d'eux fait diversion pendant que l'autre commet le même. Ténèbres glace. Ok. Ténèbres glace. Bien, bien, bien. Farfuret. Moi, je le confonds tous. Hein. Ténéfix, Farfuret, Ténébris, ou je sais pas trop quoi, là. Du coup, les loups-garous sont barrés. Non!
Là, je voulais le gros ballon à côté, quoi. Bon. Magie pleurale, vas-y. On va voir si ça l'OS. Ça l'OS pas. Bien. Ok, j'aurais pu faire ça. C'est bon, t'as fini? Après, on va essayer de choper le ballon là-bas. Ah là là, mon équipe, c'est hyper agaçant. Bien. T'es quoi, toi? On dirait un Togepi en forme géante, mais sans cou. T'es quoi? Je te connais pas. Pietacé. Voilà. Vas-y, magie pleurale. Ok. Gigotage. Bien. Ça c'est fait. J'ai aucune idée. Je sais pas si c'est une évolution, une sous-évolution. Je ne sais rien du tout. Je vais terminer. Franche nuit. À la place de tranche, veut oublier magie florale et mettre tranche nue à la place. Non, mais non, 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 j'ai pas appris tranche nue. Quelle idée! Bref, tant pis. Pokémon baleine à pied. Les Pokémon vivent généralement en groupe de 5 dans les régions froides. Ils raffolent des minéraux qui contiennent la neige et la glace. Ok. D'accord, d'accord. Boum. Du coup, on n'en sait pas plus. Bien. Premièrement. On le trouve là, voilà. J'ai vu des magnétos. Toi, t'es quoi? Espèce de plante carnivore à deux têtes, là. Louche. Scoville. Ok. C'est un Pokémon plante, logique. Pas mal, là. On va faire morsure. Ok. Psycho de boule. Ok. Ça n'affecte pas. Bah oui, on est ténèbres. Je vais terminer. Allez. Et reste dedans, hein. Fais plus chaud à l'intérieur. Bien. Bravo, bravo. Plus qu'à choper les magnétiers et les magnétons là. Ok, plante feu. Ah ouais. Ah ouais, elle est bien en fait. Il est bien. Sa tête verte est agressive à cause des substances épicées qui stimulent son cerveau. Quand elle s'énerve, rien ne peut l'arrêter. Voulez-vous donner un surnom à ce covilain? Non. Ok. Alors, Magneton. Vas-y, magie florale. Avec un peu de chance. Encore vu un truc derrière. Bien.
Miam, miam, miam. Danse pluie. Prendre danse pluie. À la place de quoi tu voudrais apprendre danse pluie? Ne souhaite pas apprendre danse pluie. Ok. C'est ton choix. Les magnétons sont constitués de magnétiers reliés les uns aux autres et ils apparaissent souvent en masse quand les taches solaires abondent. Électrique acide. Là, j'ai déjà un magnétique. Bien. J'ai vu un autre truc derrière. Ok, je vais d'abord me soigner partout. Il y a un coup de note aussi. Je crois qu'on va s'arrêter là hein, parce que l'épisode sert pas vraiment grand chose. Ah si, il sert hein. Quand même le but du jeu. Par contre, ah oui, c'était parce qu'il y avait des trucs. Là, c'est toujours la team poison, le badge glace. Ok. Badge d'arène psy. Dominant vaste ciel et responsable des chutes de pierre dans les montagnes de la zone ouest, numéro 1, ce qui rend l'ascension pourtant déjà périlleuse. Plus difficile encore. D'après la rumeur, il voudrait régner sur les cieux, mais demeure inoffensif tant que l'on garde ses distances. Dominant du badge vol. Oula, attends. J'avais tout ça. Donc nous, on a fait... Donc on vient de là-bas, quelque part. Quoi? On vient de là. Ouais, ma maison. On a fait... Il y avait un badge ici, non? Il y avait... On a fait ça. Hop, 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 hop. On a fait ça. Ça. Je sais pas si on a encore déjà le niveau pour le badge de la team poison. Arène du monde AP. Non, on va aller faire le... On va aller là. Ok. Badge d'arène. Oh non, on va aller là. Voilà. Pour aller là, badge d'arène haut, la voie du maître. Il faudrait que j'aille me téléporter au plus proche. Allez. Je vais au moins essayer de nous y amener pour, dans cet épisode-ci. Comme ça, l'épisode prochain, on ira faire le badge de Team O. Avec mon Team Plante, ça devrait être juste une promenade de santé. Ouais. Du coup, on va tester... Ah oui, c'est le panier. On va tester ça. Oh, le Rocabo, je t'ai pas, toi. Pire, c'est que j'ai croisé ton évolution, j'ai pas eu le temps de l'attraper. Tristesse. Ah, attends, non. Attends, si. Avec une rapide boule, peut-être. Nice. Parce que je l'aurais OS, donc c'est vraiment... Là, c'est bien pour flex mes Pokémon de bas niveau. Voilà.
Ok. Il vit en meute jusqu'à ce qu'il grandisse. Lorsqu'il est de mauvaise humeur, il frappe le sol avec les rochers qui ornent son cou. Il est trop mignon en plus, le pavot. Trop mignon, Pokémon chien. Voilà, restera plus qu'à choper les trois. Enfin, les trois. Ouais, dans cette zone-là, il va falloir soit des rapid balls, soit des faible balls, parce que sinon, je vais tous les OS. Pas cool, pas cool. Ah, ça c'est fait. Eh ben, on dirait que je viens de traverser une tempête. Du coup, ouais, non, mais faire un singe. Ah! Salaud. Putain, j'étais en train de. Ah, ça, ça m'énerve, je peux pas les hyper-éclairer. Ouais, mais il va mourir. Je peux rien faire, il va mourir. Voilà. J'attendrai que j'ai des rapid balls et des faible balls, c'est tout. Hop. J'ai pas ça. Qu'est-ce que c'est encore? Pimito. Oh, attends, est-ce que je peux te faire cage éclair? Ça peut être intéressant ça. C'est vrai que j'avais oublié. Non, je l'ai lui. Un mec a un peu de chance. Il se laisserait attraper, puisqu'il est paralysé. Très bien. Ah, du coup, Pokéball. Alors, une fois tombée, l'incisive de ce Pokémon sert à relever les plats de la région de Paldea. Ok. Ah, il se transforme en Scorvilain? Sérieusement? Trop bien. Parfait. Je vais quand même utiliser l'autre. Je devrais le, dans les zones faibles, je devrais le mettre en premier. À une heure de, on attrape des Pokémon, on visite un peu la ville. Enfin, surtout on attrape des Pokémon. Alors, le type d'épisode que vous pouvez passer ou que vous pouvez regarder en faisant autre chose. Enfin, pas grand chose, désolé. Je vais au moins nous amener jusqu'à la rue. C'est le badge de la team poison, j'ai pas su le faire, je suis un peu triste. Mais au moins aller choper l'arène du badge haut. Ok. Il se met en colère très facilement, même quand il est calme. Son humeur peut changer d'une seconde à l'autre. Faudra le trouver colossinge ou le faire évoluer en colossinge. Ok. Du coup, merci. Oui. Oui, j'ai dit où? Ah, mais vous me cassez les bouts. Vas-y. Pas déjà, c'est pas sur moi. Ça c'est fait. Yeah. Hop.
Là, il y a un dresseur. Là, il y a un... Ah, un petit bouddha, tiens. Je t'ai pas encore pris, toi. Hop. Pokémon type sol. Ah oui. Non. Si j'envoie une Pokéball directement, est-ce que je la perds ou pas? Parce que si je peux pas faire cage éclair, ça va pas être cool. Première attaque que je vais lui faire, il va mourir. Ah non, cassons-nous. Ok. Bon, cassons-nous. On va le prendre plus tard avec des Pokémon plus faibles, avec des faibles balls. On va pas se prendre la tête. Hop. Poissons-nous. Allons par là, pardon, excusez-moi. Le raid de type psy, tiens, ça peut être intéressant. Si ça se trouve, ça sera un petit bouddha du type psy. Oui, la chasse au trésor, c'est faire toute l'exploration. Hein, donc, ça signifie le raid de psy. C'est un rocabo de type sol, de type psy. Ok. Rocabo. Mais avec un peu de chance, je pourrais le faire évoluer en l'un ou en... Ah, mais c'est ça, c'est là qu'il a mon téléphone. Batterie est épuisée. Super. Ah ouais. Oups. Ah ouais, on va pas utiliser de Pokéball. Hein. On a déjà, c'est juste pour l'avoir en type psy. Hop, du coup, par là, que je peux te choper, toi, c'est quoi d'abord? Flottillon. Est-ce que j'espère. Please. Que par hasard, cage éclair, ça fonctionne sur quoi? Je sais pas si j'ai récupéré. Si je l'ai récupéré. Oula. Heureusement qu'il est beaucoup plus au level. Hein. C'est pas grave, c'était confus, mais on veut juste l'attraper. Bien. Ok, super. Alors, ce Pokémon passe ses journées à courir dans les terres en friche. Il poursuivra quiconque lui vole ses baies adorées pour se brancher. D'accord, mignon. Pokémon fou.
Bref, cassons-nous. Pas encore nager. Mais est-ce que je peux sauter par là? Mustéboué, faudrait que je le chope. Voilà. Un Pokémon que j'aurais chopé ici. Alors, comment on va? Elle saute. Ouf. What? Oh, je t'ai déjà, je peux te tuer. Vas-y, calme, graine, il va mourir de toute façon. Yeah. Alors, par là, ça va être bloqué. Pardon, psychofouac. C'est un peu trop haut pour monter. Oula! J'avais pas vu. S'en fout là déjà, dégage. Voilà. Ça c'est fait. C'est quel? C'est un Pokémon Terra Crystal là, c'est ça? Parce que. Ah, petit boudin! Sérieux! Putain, ça m'énerve ça. Vas-y, craft. De toute façon, je peux pas t'attraper. Je peux pas aller côté de toi. Mon dieu. Faut pas que je suis occupée. Alors, remarque, je suis pas sûre de pouvoir attraper l'autre non plus, étant donné que. Pomote, il est bientôt dead. C'est quoi? Ah, ok, d'accord. Je vais tomber dans l'eau. Pokémon qui est toujours dans le chemin. Bah tu m'étonnes. Anticipation et tout tremblant. Bah ouais. T'as bien anticipé mon vieux. Dans ma vieille c'est une Pokémon. Ok, chope la Pokéball là. Hop. Pardon, excusez-moi, ne vous mettez pas dans mon chemin. Un type vol. Un crabe à garde type vol. Oh, je suis désolée. Ah, oh, mais il me casse les couilles. Ils sont agaçants. Ils savent très bien en plus que je vais les assassiner et ils viennent quand même dans mes amis. Pas possible. Ouh, je sais pas. Bon. Profiter pour clear la zone des dresseurs aussi. Ça va être un long épisode. Hein. Ça, c'est vraiment le truc où vous faites du diamond painting à côté, vous êtes tranquille. Alors, je sais pas si je vais continuer à faire des épisodes chasse au trésor. Si ça intéresse personne, j'arrêterai, je ferai ça de mon côté parce que ça fait vraiment. Beaucoup de rien en fait. Ok, c'est bien, on attrape les Pokémon, on fait les raids, on fait les dresseurs et tout. On visite un peu les zones, mais ça reste vide, j'ai envie de dire. Enfin, voilà quoi. Désolée, je crois que je me suis laissé un peu emporter. Et je veux juste. Vous ne pouvez pas. Pourquoi? Comment ça? Merci. Mais où? Alors, on a des Pantouminus là, on a une Pokéball là. Enfin, je trouve pas ça intéressant personnellement. Donc, mais peut-être que c'est juste moi. Motiti, motiti, motiti. Oh non! Salut Célène! Le dominant vaste spécial se trouve quelque part dans cette montagne.
mais ça va pas être facile de le trouver avec tous ces rochers qui tombent. Au moindre impact, il risque de t'envoyer faire un vol plané, mais sur une monture, tu pourrais mieux gérer la montée. Ok. Ok, sauvegarde en cours, parfait. On va s'arrêter là. Je pensais que c'était un peu plus loin. Donc on va rester ici. Et on fera la suite la prochaine fois. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.